Et quoi de neuf tout le monde et bienvenue sur Tuto Dessin. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner une valise licorne kawaii. Alors c'est parti. On va tout d'abord commencer par faire la corne avec un tout premier trait oblique. Puis un deuxième. On continue en venant faire les rayures de la corne. On vient ensuite faire un cercle pour la fleur. Et on continue avec les pétales. On vient maintenant faire un deuxième cercle juste à côté pour la deuxième fleur et un troisième pour la fleur de droite. On ajoute les pétales. Pour la fleur de droite, puis celle de gauche. On vient maintenant faire le haut de la valise en faisant tout d'abord un trait horizontal à gauche, puis à droite de la corne. On vient ensuite ajouter les oreilles de la licorne. On se positionne à la hauteur des fleurs. Et on commence par faire un petit trait recourbé comme ceci, puis un deuxième de l'autre côté. On repart du trait de gauche et on vient remonter comme ceci. On arrondit l'extrémité et on redescend comme ceci. On arrondit l'extrémité et on vient rejoindre le trait juste en dessous. Et on vient rejoindre. On se replace sur le trait de droite. On vient remonter comme ceci. On arrondit l'extrémité. Puis on vient relier le trait juste en dessous. On vient maintenant faire la partie extérieure des oreilles. On vient se positionner à gauche de l'intérieur de l'oreille. On vient ensuite contourner l'intérieur de l'oreille. Puis on vient compléter le trait horizontal. On continue avec la partie extérieure de l'oreille droite. On vient maintenant ajouter quatre traits verticaux. On vient ensuite relier les deux premiers traits verticaux par un trait arrondi comme ceci. Puis juste au-dessus, un autre trait qui vient suivre la courbure du trait juste en dessous. On vient ensuite rajouter deux petits traits horizontaux à l'intérieur des quatre lignes verticales.
On vient ensuite colorier en noir la poignée. On vient maintenant faire les yeux kawaii de Tuto Dessin. Tout d'abord, on commence par un premier cercle. Puis un deuxième à l'intérieur de celui-ci. On continue avec un troisième cercle à coller au coin supérieur gauche. Et on vient rajouter un dernier petit cercle. On colorie en noir. Puis on vient accentuer la partie supérieure de l'œil. On vient maintenant ajouter deux cils avec deux traits recourbés comme ceci. On vient maintenant faire l'œil droit. On vient se positionner juste en dessous du cœur de la fleur de droite. Et on vient faire un premier trait recourbé. On se positionne à droite du trait et on continue avec un deuxième trait recourbé qui vient monter comme ceci. Et on obtient les yeux kawaii de Tuto Dessin. On vient maintenant faire la bouche. On commence tout d'abord par un trait recourbé comme ceci, puis on vient rajouter deux petites boules à l'extrémité de la bouche. On vient rajouter deux petits cœurs pour faire les joues. Pour la joue gauche, puis la joue droite. On vient ensuite faire les côtés de la valise. On part de l'oreille de gauche, puis on vient descendre à la verticale. On vient frôler les cils, puis la joue. On continue avec le deuxième trait vertical pour le côté droit. On vient maintenant faire la partie basse de la valise en faisant un trait horizontal comme ceci et on vient rejoindre les traits des côtés avec deux traits arrondis. On poursuit la valise en ajoutant deux rectangles pour les stickers.
un premier, puis un deuxième. On vient maintenant ajouter un petit trait vertical entre l'oreille gauche et l'œil gauche. Puis on vient poursuivre ce trait juste en dessous de la joue. Et on vient s'arrêter avant la partie recourbée du coin de la valise. On vient maintenant faire un trait vertical entre l'oreille droite et l'œil droit. On vient continuer ce trait juste en dessous de la joue droite et on vient l'arrêter juste avant la partie recourbée du coin inférieur de la valise. On rajoute un trait horizontal comme ceci. On vient maintenant rajouter les deux roues en commençant par deux cercles, un premier à gauche, puis le deuxième à droite. Le cercle de droite n'est pas aligné avec le côté droit. On poursuit les roues en faisant deux petits ronds noirs à l'intérieur des deux cercles. Et on vient terminer les roues en les raccrochant à la valise avec quatre traits verticaux. Tout d'abord le premier trait qui est aligné avec la partie centrale de la roue, puis le deuxième trait vertical qui part du côté droit de la roue. On passe maintenant au coloriage. Et voilà, ce tutoriel de la valise licorne est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. Je poste une vidéo par jour. Merci d'avoir regardé, c'était Tuto Dessin. À bientôt. Ciao.